autre début de vidéo. Nous sommes mardi, il est midi, pause-déj. Depuis mon commencement de cette lecture, je n'ai pas bougé de ce thriller. J'avance, hein, j'avance, j'avance. Je suis bien prise, mais du coup j'avais plein d'autres choses à faire en ce début de semaine. Et du coup mes temps de lecture ont été un petit peu plus courts. Toujours est-il que c'est un suspense complètement addictif. Christelle Duchamp nous embarque encore dans un univers assez dingue. J'en suis chapitre 13, donc au tout début, hein, il y a... Je suis à page 93 et il y a combien de pages? Pas facile de tenir le téléphone là comme ça. 292. Du coup, on est sur une série de disparitions et d'agressions de femmes à différents endroits de Lyon et l'agglomération lyonnaise. Et en fait, là, j'en suis au moment où, du coup, Thomas, qui est commissaire à la PJ de Lyon, commence à comprendre qu'il y a un lien entre ces différents meurtres. Et ce qui est assez intéressant, en tout cas la thématique qu'elle aborde là au début, après avoir si du coup ça se poursuit tout au long du roman, c'est du coup le problème du viol et de la considération des femmes agressées par les policiers, les gendarmes. Et voilà, lorsqu'elles vont déposer plainte, elles sont un petit peu, leur témoignage est un petit peu bafoué, pas considéré, souvent moqué ou en tout cas remis en question. Et du coup, c'est ce que Christelle Duchamp aborde, ou en tout cas à un moment, elle l'aborde vraiment, donc à voir si ça, si ça continue, puisque du coup, l'une des femmes disparues, du coup, Esther, en fait, avait porté plainte contre Benoît, son ex-petite amie, pour viol. Et en fait, Thomas, du coup, le commissaire, découvre qu'elle s'est rétractée le lendemain de sa plainte. Et en rencontrant, du coup, le policier qui a pris sa plainte, en fait, il se rend compte que bah, la plainte n'a pas forcément été bien prise en considération. Et du coup, voilà, il y a tout un laïus à ce sujet. Et je trouve ça assez intéressant d'aborder ce sujet dans un suspense, un thriller qui est quand même un sujet de société. Alors, même si les thrillers de base, c'est pas forcément un support qui permet de l'aborder, en tout cas de façon sérieuse, de façon informative, dans le détail, je trouve que qu'elle se serve du coup de la forme du suspense et du thriller, de cette littérature, pour faire passer à un moment donné ce message, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Donc, Christelle, merci. Et du coup, bah, je vais le continuer. En fait, c'est rigolo parce que du coup, je le fais en lecture commune avec Marine de Toile, du compte Toile de Mots. Et il y a, oh, je ne sais plus comment elle s'appelle, de quel compte, je vous dirai plus tard, qui m'a dit ou qui a posté, je sais plus, une story en disant, bah, moi, je l'ai, ça y est, je l'ai commencé, je suis partie, j'ai lu, je commence à lire du coup des livres du mal. Et je lui ai dit, bah écoute, moi aussi je commence à lire, si tu veux, on peut se rejoindre sur sa lecture commune. Donc du coup, on se rejoint aussi avec une autre lectrice sur... voilà, le prochain Christelle Duchamp qui sort le 22 janvier. Voilà, à part ça, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Ça va être une petite semaine avec ce jour férié au milieu et ça c'est bien cool. Voilà, enfin dans tous les cas, je vous fais suivre voilà, mes petites impressions de lecture au fur et à mesure. Et je vous retrouve pour la suite plus tard. Et de retour pour la suite de la vidéo, nous sommes vendredi midi. J'ai l'impression que le midi va devenir le rendez-vous quotidien de ces vidéos, puisque c'est un peu le moment où je peux vraiment me poser, où je suis tranquille à la maison, où il n'y a pas mon chéri, il n'y a ni mon fils. Du coup, je suis un peu posée. Bon, je vous ai pas pris des masses cette semaine. Je pense que je vais bien me rattraper ce week-end. J'ai eu peu de temps de lecture, malheureusement, mais... par contre, de très bons temps de lecture, et c'est surtout que j'ai terminé un livre qui, à la fois, m'a donné envie de vomir, m'a tordu les boyaux, m'a fait mal à l'estomac, m'a mise dans un état, j'avais la gorge serrée, j'avais envie de chialer, j'avais envie de faire... Oh non mais, enfin... J'ai mon mec qui était à côté de moi et je lisais, je disais là, non mais c'est pas possible, non mais c'est l'horreur et... Et franchement, j'ai eu des sensations, je pense, comme jamais j'ai eu en lisant un thriller. Ça m'a complètement,
complètement retournée. Alors clairement, c'est pas du tout négatif, au contraire, je pense que c'est assez positif de ressentir ce genre de choses pour un thriller. C'est que clairement, l'auteur a réussi son pari, puisque bah, comme son nom l'indique, un thriller, c'est pas censé nous faire sourire, hein, c'est pas censé nous mettre sur un petit nuage avec des petits oiseaux et des bisounours, clairement pas. Donc là, Christelle Dufond a réussi son pari avec Délivre-nous du mal. J'avais lu, mais je vous l'ai dit plusieurs fois, L'art du meurtre et Le sang des Belasco il y a un moment maintenant. J'ai découvert du coup l'auteur avec Le sang des Belasco, j'ai enchaîné avec L'art du meurtre et là, quand voilà les éditions L'Archipel m'ont envoyé celui-ci, j'étais aux anges. Et là, clairement, Christelle Dufond, alors autant déjà les deux premiers étaient à ce niveau-là, autant là, j'ai l'impression qu'elle a. Elle a pris une espèce d'envol en fait. Et waouh, c'est un truc de dingue. Alors, je vais arrêter de dire que c'est un truc de dingue, waouh et tout, je vais peut-être vous parler du livre. En fait, le livre, du coup, il est un peu découpé. Alors, il est découpé en trois parties déjà. Et en fait, on a une espèce de chronologie, des retours vers le passé. Puis on revient vers le présent. On est entre les années 2018. Et 2019 ou 2020? Non, 2020, je crois aussi. Il y a quelques moments en 2020, il me semble. Ouais, si, 2020. En fait, ça commence avec, du coup, Anaïs. Donc, on est en février 2018. On a Anaïs qui, du coup, est une amie d'un flic de la PJ de Lyon. Et elle arrive dans le bureau de Thomas et elle lui dit, bah voilà, Thomas, ma sœur Esther a disparu. Donc, Thomas, il doute un petit peu parce que. Parce que voilà, c'est pas forcément le profil de la nana disparaître comme ça. Elle est très proche de sa sœur, proche de ses parents. Ils ont pas de nouvelles depuis un moment. Mais en même temps, elle a laissé un mot après une petite vérification graphologique. Il se trouve que potentiellement, elle a pu écrire ce mot. Enfin, rien ne prouve qu'en tout cas, Esther a disparu. Donc, on part vraiment sur ce début d'enquête et la disparition d'Esther, mais aussi du coup d'autres disparitions de jeunes femmes, des corps qui sont retrouvés pendus. Enfin, on a un peu tout ça qui se mêle, plein de petits bouts d'enquête qui vont au final se relier les unes aux autres grâce à Thomas, du coup, ce flic de la PJ lyonnaise. Qui du coup a une fille qui s'appelle Léa, il est séparé de sa femme, sa fille qui a beaucoup de difficultés psychologiques, qui a des troubles du comportement alimentaire. Enfin, on sent du coup que Thomas, entre sa vie familiale et sa vie de flic, franchement, c'est ce que je disais à Christelle Dufond sur Instagram parce qu'on a un peu échangé autour du livre. J'avais l'impression toutes les deux pages que Thomas allait faire une crise cardiaque. De toute façon, il y a plein de pages où il dit qu'il sent son cœur là. Qui serre dans sa poitrine, il est essoufflé, il est au bord de l'évanouissement, enfin, il est sous tension tout du long. Et c'est ça aussi qui nous met sous tension au-delà de l'histoire, c'est ce flic qui, à la fois sur sa vie perso et pro, est sous tension, mais non-stop. Alors, bien entendu, comme tout flic, l'hygiène de vie, bah, on passe, hein, clairement. Il passe la nuit sur son bureau, il mange de la nourriture emportée, du McDo, des gâteaux, du saucisson. Enfin, c'est hygiène de vie zéro, zéro sport aussi, bien entendu. Mais on sent le mec ultra passionné qui a envie de tout, tout, tout donner à la PJ. Donc voilà, donc on a vraiment ce flic qui est vraiment le fil conducteur de toute l'enquête, qui ne lâche absolument rien, qui est bourré de bonnes intuitions. Enfin, c'est vraiment un chouette personnage, quoi, ce mec. J'ai adoré le suivre dans cette enquête. Et voilà, on ressent ces palpitations, on ressent cette tension. Et c'est ça aussi qui nous met dans un espèce d'étau, comme ça, on se dit, mais bon sang, c'est pas possible. Bref, forcément, je vais pas vous révéler les tenants et les aboutissants de l'enquête et comment ça évolue, juste que on démarre sur du coup cette disparition assez mystérieuse. Et en fait, je peux juste voilà vous parler un petit peu des thématiques qui vont être abordées dans ce roman, et c'est ce qui m'a rendu vraiment très mal, c'est qu'on va aborder les violences faites aux femmes, que ces violences soient physiques, psychologiques. Alors ça va de la femme battue au viol, mais ça j'en parlais déjà un petit peu précédemment dans la vidéo, et clairement. Ça se vérifie, c'est une thématique qui n'est pas abordée seulement au début, qui est vraiment abordée tout au long du livre. Et voilà, comme je disais précédemment, c'est en ça que le livre est fort, c'est que
C'est une thématique dont on parle énormément depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une montée en puissance de cette question de comment prendre en considération la parole des victimes de viol et de violence. Et clairement, elle a pris cette thématique de société pour en faire un thriller, mais coup de poing. C'est, franchement, j'ai eu l'impression mais de recevoir un uppercut en pleine poire, quoi. C'est saisissant, c'est flippant, c'est tordant, mais alors pas tordant de rire, hein, tordant de... Ouh, stop là, en fait, il y a des moments j'ai envie de le mettre sur pause et dire, allez-y, je vais regarder un téléfilm de Noël, parce que sinon je vais me coucher, je vais me foutre au fond de mon lit et je ressors pas, quoi. Et c'est en ça que ce livre est vraiment fort, parce que du coup, au-delà d'Esther qui a disparu, on va suivre bien entendu d'autres femmes qui ont disparu elles aussi, qui certaines vont avoir un destin plus heureux, et puis d'autres qui malheureusement vont être retrouvées mortes. Et c'est surtout qu'au départ, il y a une espèce de, comment dire, on a l'impression qu'il y a un tueur en série qui du coup assassine ces femmes, on essaye d'en comprendre la raison, Thomas essaye d'en comprendre la raison, au bout d'un moment il commence à tirer un fil. Et sauf qu'en fait, il y a une espèce de revirement de situation où... Enfin, je peux pas vous en dire plus, mais on est bien au-delà de... Enfin, c'est pas on est bien au-delà, c'est qu'on n'est pas, en fait, dans une histoire de tueur en série. C'est ce qu'on pense au début, mais en fait, absolument pas. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et franchement, mais Christelle Duchamp, mais trop, trop forte. C'est frustrant, les thrillers, en fait, de pas pouvoir... de ne pas pouvoir vous en dire un peu plus, mais je ne peux que vous encourager à lire Délivre-nous du mal, qui sort le 22 janvier. Si vous avez aimé les deux premiers Christelle Duchamp, vous allez adorer celui-ci. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ce midi, je suivais le live sur Instagram de Flowen Books et de Estelle Petite Lectrice, et on parlait justement des auteurs de policiers et thrillers, et j'ai pas pensé dans le fil de la discussion, mais j'aurais vraiment pu citer Christelle Duchamp, parce que oui, il y a beaucoup d'auteurs masculins de thrillers et policiers, mais on oublie aussi les autrices. Et franchement, mais Christelle Duchamp, il faut la mettre vraiment dans ce haut du panier des auteurs vraiment, mais qui valent le détour dans le domaine du thriller. Par contre, voilà, je préfère vous préciser qu'on aborde la thématique du viol et des violences faites aux femmes, que clairement c'est violent, est abordé aussi la folie humaine, mais pas la folie humaine des hôpitaux psychiatriques, la véritable folie humaine. Je suis pas en train de dire que dans les hôpitaux psychiatriques c'est pas de la folie humaine, mais là on est dans, comment vous expliquer, c'est au-delà de la folie humaine, c'est c'est une espèce de folie déviante, mais ultra... de la folie un peu gore, je sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire, mais on n'est pas dans de la schizophrénie, on est dans une espèce de folie ultra violente, ultra trash, c'est l'apocalypse en fait, ouais voilà c'est ça, c'est de la folie apocalyptique, c'est exactement ça, c'est de la folie apocalyptique, voilà, donc il faut juste savoir que ce roman aborde ces thématiques de violence faite aux femmes et de folie apocalyptique, donc c'est un truc complètement complètement barge. Il y a certaines scènes, on se dit waouh, truc de dingue. Ce que je peux vous dire de ce livre de Christelle Duchamp, que je ne peux que vous conseiller si vous n'avez pas peur d'être heurté et d'être un peu secoué. Vraiment, on est secoué. Du coup, suite à ça, j'ai commencé. Et j'en suis où? J'en suis au... Je crois que j'en suis au chapitre 5. J'ai juste commencé hier. Ouais, c'est ça. J'en suis à la partie 2 du temps de l'indulgence de Madhuri Vijay, je sais pas comment on dit, édité aux éditions Faubourg Marigny. Alors, j'avais un peu peur au début, comme je vous le disais précédemment dans un autre vlog, je sais plus. L'écriture est toute petite. Et c'est un gros, gros, gros pavé. 480 pages. Ah ouais, non, en fait, je pensais pas... Enfin, c'est quand même une petite brique, mais je pensais, je m'attendais à plus 700 pages. Et en fait, bah, ça file tout seul. J'aime beaucoup ce genre d'écriture où...
En fait, on lit 10 lignes, on a l'impression d'en avoir lu une seule. Je sais pas comment vous expliquer, c'est ultra rythmé, c'est ultra dynamique. C'est comme si l'auteur, je l'avais en face de moi et qu'elle me racontait une histoire. C'est pas lent, c'est pas lancinant, c'est ultra. Je sais pas, c'est comme si on était dans une espèce de. Comme si on était dans une espèce de conversation avec, avec l'auteur, avec le personnage, et voilà, et elle tire le fil comme ça, de façon ultra, ultra énergique, et franchement, c'est plutôt chouette. Alors, je vais pas trop vous parler de l'histoire parce que vraiment, j'en suis qu'au début. Mais voilà, c'est vraiment, ça annonce vraiment un chouette roman. Et je pense que je vais commencer un autre livre, je sais pas trop ce que je vais commencer de ma pile à lire. Parce que quand j'ai des gros pavés comme ça, j'aime bien des fois en sortir et lire en parallèle quelque chose qui n'a rien à voir. Potentiellement peut-être un Agatha Christie, je sais que j'ai mis dans ma pile à lire de novembre un Agatha Christie. Donc je pense que je vais faire ça. Ou sinon j'ai un autre, ah il est en bas, Starling, je crois que c'est ça le titre, peut-être mettre celui-ci sinon, au milieu, histoire de varier un peu les plaisirs, et du coup on est plusieurs à faire cette lecture commune organisée par Sophie du Café des Livres. J'ai craqué sur Vinted sinon, à cause d'eux ou grâce à, hein, je sais jamais dans quel sens le prendre cette histoire, parce que c'est un peu à cause d'eux, mais aussi grâce à, puisque c'est quand même quelque chose d'ultra positif pour moi qui suis une lectrice assidue, mais quelque chose d'un peu pas cool pour mon porte-monnaie. Sur Vinted, j'ai trouvé la trilogie de Nicolas Beuglé, donc Le Cri, Complot et L'île. L'île au quoi, je sais plus. J'avais croisé cette trilogie sur le compte de Sophie, justement, du Café des Livres. Mais là, c'est surtout Hélène du compte Mes Livres de Poche qui a lu Complot. Elle en a parlé sur Instagram et elle était tellement emballée. Je me suis dit, allez, j'y vais, je commande. Du coup, j'ai même pas cherché à me dire, vas-y, je commence avec Le Cri, le premier de la trilogie, et je vois si ça me plaît. J'ai trouvé quelqu'un qui vendait les trois sur Vinted. Et j'ai aussi commandé, mais ça c'est par le biais de Angie de Madame Chachali. Madame Chachali Madame Chachali Ouais, si, Madame Chachali, c'est le nom du compte. Qui du coup a rencontré Norek à plusieurs reprises lors de la foire de Brive. Mais qui du coup conseillait fortement Code 93, Territoire et. J'ai pas le troisième décidément, mais voilà, qu'elle les conseillait vraiment, vraiment fortement. Et comme en fait j'ai lu d'Olivier Norek seulement Entre deux mondes et Surface que j'ai adoré, j'ai découvert Norek avec Entre deux mondes qui m'a complètement bouleversée autour de la jungle de Calais. Je me suis dit, bah tiens, c'est vrai que je ne connais pas les premiers livres de Norek, dont voilà cette trilogie 493 Territoire et. J'ai plus le troisième. Et voilà, j'ai commandé du coup ces 6 livres sur Vinted. Manon, si tu passes par là, heureusement que tu ne m'as pas mise au défi de faire du no-buy jusqu'à fin décembre, parce que si toi, tu en es clairement capable, moi voilà, je me suis déjà craquée. Donc voilà, échec. Bon, en même temps, je ne m'étais pas dit hein, no-buy jusqu'à décembre, mais c'est vrai que de façon naturelle, j'aurais bien aimé ne pas acheter forcément beaucoup de livres d'ici la fin de l'année. Bref, je vous reprends du coup, peut-être ce soir, en tout cas ce qui est sûr, c'est ce week-end, puisque j'attends un colis de la part des éditions Charleston, le fameux colis de Noël que l'électrice Charleston 2021 20 pardon attendent toutes. J'ai essayé de fermer les yeux sur les stories des copines. Bon, malheureusement, forcément, quand on défile les stories comme ça, j'ai eu du mal à me dire ah, oh, mince, c'est mince. j'ai vu, c'est de ça dont il s'agit et tout. Donc je vois à peu près voilà le contenu du colis, mais je n'ai pas tout vu, donc je l'attends avec impatience. Et puis c'est un colis un peu de Noël, donc qui dit Noël dit j'imagine roman de Noël. Et comme pour le moment dans Napal, je n'ai que le dernier Karen Ponte. J'avoue que j'aimerais bien avoir deux ou trois autres romans de Noël à lire au mois de décembre.
Voilà, je pense que j'ai fait le tour et je vous reprends très très vite d'ici lundi. Dimanche soir, je reviens pour clôturer la vidéo dans un beau petit endroit où je pense tourner quelques passages de vlog parce que je suis un peu tranquille ici. C'est le bureau qu'on continue et commence bien à aménager avec mon chéri. Du coup ce soir voilà, je me suis dit allez vas-y je me pose là, j'inaugure un peu, tout n'est pas ultra clean encore mais ça commence un peu à ressembler à quelque chose. Alors mes lectures du week-end, ce week-end était un peu bizarre. Il était vraiment vraiment bizarre, j'étais un peu sur les nerfs ce week-end pour X raisons. Et du coup, à un moment, je me suis dit, niveau de mes lectures, lâche prise, en fait, ne t'impose pas de lectures qui me font pas envie, mais qui, en tout cas, ne me tentaient pas des masses ce week-end, notamment Le temps de l'indulgence. Alors, pas que le bouquin me tente pas, hein, parce que je vous en parlais précédemment, et franchement, c'est un super début de lecture. Mais ce week-end, j'avais juste besoin de prendre mon cerveau et de le poser dans un coin et de me laisser aller dans une histoire, mais... cool, légère, tranquille et j'avais envie de me faire et de me faire kiffer un peu sans prise de tête. Du coup, j'ai laissé de côté Le temps de l'indulgence que je vais reprendre dès demain lundi et du coup, j'ai sorti un livre. Mais en fait, dans toutes mes piles à lire de chaque mois, je case, hormis du coup, les petits romans format poche que j'insère exprès dans mes piles mensuelles pour caler entre deux pavés. J'aime bien aussi insérer des romans, justement un peu lâcher prise, un peu je ne réfléchis pas, je prends ce que l'auteur a à m'offrir et ça passe, mais juste tranquille. Du coup, j'ai sorti Starling de Mélanie Taquet, édité aux éditions Erol. Ça fait un moment que j'avais reçu ce roman, il est sorti en janvier 2021, donc ça fera presque un an maintenant. Ça faisait très longtemps que je l'avais dans ma palle et du coup je l'ai sorti ce week-end. Je l'ai dévoré on est dimanche, je l'ai commencé hier matin, voilà. Et je l'ai terminé il y a 5 minutes et j'ai passé un super bon moment. Donc si Mélanie Taquet, tu passes par là, quand je dis que j'avais besoin d'un roman pour prendre mon cerveau et le mettre de côté, ça n'est absolument pas péjoratif dans ma bouche, bien au contraire. J'ai passé un super bon moment et c'est exactement ce qu'il me fallait. Du coup, de quoi il s'agit avec Starling? En fait, on retrouve du coup Emma, qui est une jeune femme, qui est une blogueuse littéraire, donc forcément ça me parle, qui en même temps est une autrice, qui cumule un nombre assez important d'abonnés sur son blog et sur les réseaux sociaux, et qui fait qu'elle a une petite réputation dans ce milieu-là. Donc forcément, voilà, même si je ne cumule pas des milliers d'abonnés, forcément du coup ce qu'elle fait un peu au quotidien a fait écho avec ce que je fais aussi. Et il se trouve qu'Emma souffre d'une dépression dont elle ne parvient absolument pas à se défaire. Et elle est allée voir un psychologue qui s'appelle Bilal au moment où ça n'allait pas. Et il se trouve qu'elle est tombée complètement sous le charme de ce psychologue qui a à peu près son âge. Pendant la thérapie, du coup, elle ne lui a pas avoué ses sentiments, mais au bout d'un moment, elle s'est sentie incapable de poursuivre la thérapie de par justement son attirance pour lui. Et elle a décidé d'arrêter la thérapie et de lui laisser une lettre pour lui expliquer voilà, ce qu'elle ressentait et pourquoi il lui était impossible de continuer les rendez-vous avec lui. Et en fait, il se trouve donc là, au début du roman, on est un an plus tard, du coup, cette lettre et l'abandon de la thérapie par Emma. Et en fait, elle se retrouve dans un bar pour accompagner son amie italienne Chiara, qui réussit enfin à potentiellement conclure avec Matt, son collègue de travail. Du coup, elle le propose à Emma de l'accompagner pour ce premier rencard. Et il se trouve que Bilal est un ami de Matt. Du coup, elle se retrouve face à ce fameux Bilal. Du coup, elle perd complètement ses moyens.
Et voilà, donc il se trouve que ce fameux Bilal a une copine qui s'appelle Julie, qui est sa fiancée, ils vont se marier bientôt, etc. Mais dans la tête d'Emma, son sang ne fait qu'un tour, et en fait ça a fait ressurgir un peu toute la souffrance et toute la frustration qu'elle éprouve depuis un an. Je ne vais pas du coup vous en dire plus dans le détail sur cette histoire. Alors forcément, au début, j'ai un peu tiqué. L'histoire est top. L'écriture est top, l'écriture est fluide. L'écriture correspond parfaitement à l'ambiance du roman. J'ai juste à certains moments tiqué sur certaines expressions, certaines phrases où je me suis dit « Oh là là, non, là c'était pas nécessaire en fait, c'était vraiment pas nécessaire. À titre d'exemple, par exemple, à un moment Emma se retrouve à l'hôpital pour X raisons, je vais pas vous décrire parce que sinon je vous dévoile un peu la scène. Bilal est avec elle et à un moment elle s'endort contre son épaule et elle se réveille, elle se dit oh mon dieu, je me suis endormie, j'espère que je lui ai pas bavé dessus et tout, j'espère que je n'ai pas pété. Voilà. Donc là, pourquoi en fait? Alors oui, forcément, enfin non, je veux dire, c'est même pas une question qu'on se pose en fait dans ces cas-là. Enfin j'en sais rien, mais je sais pas, j'ai trouvé cette espèce de familiarité un peu étrange. Après, il y a eu 2-3 cas comme ça au début, un peu isolés, qui heureusement ne se sont pas reproduits au fil du roman. Mais tu dis, ben voyons, mais enfin... Enfin, je sais pas, j'ai trouvé la phrase un peu bizarre, la situation un peu étrange aussi, et qui collait pas forcément à la scène. Mais hormis ça, voilà, on va suivre Emma dans vraiment ses déboires psychologiques, son incapacité à se détacher de ce mec, en fait, de cette espèce d'aura qu'il a sur elle, et cet impact en fait qu'il a sur sa vie, clairement. En fait, Bilal suit un peu en filigrane la vie de Emma. Et au moment où elle s'en sort et elle le voit plus, ou au moins elle dit « Non, vas-y, j'arrête de penser à lui, j'arrête de le voir, je me coupe de son existence. » Hop, elle le recroise par hasard et de nouveau, elle se dit « Non, non, il est vraiment pas fait pour moi, il me fait tout. » Et hop, de nouveau, elle le recroise, etc. Donc, il y a un peu des va-et-vient comme ça. Toujours est-il, ce qui est plutôt chouette, c'est que du coup, Emma a un caractère très fort et c'est elle qui fait la force du coup de ce roman, hormis voilà comme je le disais ces petits passages un peu où on se dit ouf là ça aurait pu être évité clairement, elle porte vraiment vraiment le roman et son évolution est vraiment très très intéressante, même si je pense qu'à un certain moment on aurait pu un peu accélérer la machine et arrêter d'être tout le temps dans ce up and down comme ça incessant entre oui Bilal non oui non oui non oui non. Il y a peut-être 2-3 oui non qui auraient pu être évités pour un peu enchaîner direct sur du coup la guérison en fait de la dépression et la façon dont elle se sort de ce cercle vicieux entre voilà son attirance pour ce mec et son impossibilité à être avec lui. Voilà pour cette lecture qui m'a accompagnée tout le week-end et encore une fois, malgré voilà les petits aspects négatifs, j'ai vraiment éprouvé un très grand plaisir à lire Starling de Mélanie Taquet. Du coup, dès demain, je reprends Le temps de l'indulgence de Madhuri Vijay. Alors, en lecture commune avec Sophie du Café et des Livres. Malheureusement, elle vient de me faire un message sur Instagram et elle n'a pas encore pu commencer du coup cette lecture commune. Alors, clairement, on est plusieurs sur cette lecture commune. On avance vraiment très lentement, on se met pas la pression, donc je pense que ce livre va me suivre un peu toute la semaine. Et en parallèle, j'ai sorti La disparue de Noël de Rachel Abbott, édité chez Charleston Noir, que je commence aussi en lecture commune avec une autre lectrice. Je pensais le sortir à Noël, parce que La disparue de Noël, mais en fait j'ai eu envie de le sortir assez rapidement. Et bah il est question encore d'une Emma, décidément ce prénom est celui qui rencontre David, qui est un homme dévasté par le chagrin, son épouse est morte dans un accident de voiture, et du coup leur fille n'est pas décédée, mais elle a disparu au moment du drame, et on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Du coup 6 ans plus tard, Emma et David sont mariés, ils ont un fils de 18 mois, Et du coup il y a une inconnue qui débarque et qui prétend être la fille perdue de David au moment de cet accident.
Voilà, craignant pour sa sécurité et celle de son bébé, elle décide d'enquêter. Qui est vraiment cette jeune fille troublée et silencieuse? Où était-elle ces 6 dernières années? Et que s'est-il réellement passé le jour de l'accident? Voilà, et Rachel Abbott a déjà publié 10 romans. Alors, j'ai jamais rien lu de cet auteur. Son premier roman s'appelle Illusion fatale, il est sorti en 2011. Elle a longtemps occupé un poste d'infographiste et là, elle s'est lancée dans la rénovation de vieilles demeures en Italie où elle vit désormais une partie de l'année. Vie de rêve, restaurer des vieilles demeures en Italie et vivre en Italie, écrire des romans. C'est cool ça. C'est trop drôle parce que du coup, le personnage principal s'appelle Emma. Le Rachel Abbott, l'auteur, a du coup un lien aujourd'hui avec l'Italie et dans le roman précédent, Emma est le personnage principal du roman et sa meilleure amie, Chiara, est d'origine italienne. Je dis voilà, tout est aligné en fait pour que clairement je me plonge intensément dans ce roman. Voilà, il n'y a pas eu de réception ce week-end. Je pensais recevoir le colis Charleston, mais je pense que du coup l'envoi prend un petit peu plus de temps. Il est 21h, je vais de ce pas stopper ce vlog. J'espère qu'il aura voilà, qu'il vous aura plu. Et je profite aussi de cette vidéo pour vous remercier vraiment d'être de plus en plus nombreux ici. Je reçois des messages dès que je publie un vlog, je reçois de nombreux messages, voilà, de celles qui me suivent régulièrement, mais aussi de nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne. C'est super enthousiasmant. Je m'éclate à faire ça, vraiment, de pouvoir partager et échanger ici un peu plus longuement que sur Instagram, mais d'avoir quand même ce fil conducteur sur Instagram où du coup clairement on peut discuter par message et ça c'est chouette. Je fais notamment vraiment un gros coucou à Élise de mes livres de poche, à Maud et Manon, des lectures de Maud et Manon, à Sophie qui passe de temps en temps par là du café et des livres, à Anne-Sophie, à Sphénix et compagnie, et vraiment c'est chouette en fait, c'est super super chouette d'avoir cette communauté, d'avoir toutes ces personnes voilà, autour de moi pour échanger sur une passion commune, une passion qui nous anime tous les jours. Et vraiment, voilà, je voulais vous remercier d'être de plus en plus présents ici, abonnés, voilà, commenter aussi. Et voilà, et j'espère que ça va continuer. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine.